Bonjour Laurent. Geraint. Bonjour. Vous êtes vice-président pour la région Sud-Ouest chez CGI et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la manière dont le numérique transforme l'industrie. Alors à ce sujet, on entend parfois parler d'industrie du futur ou d'industrie 4.0. Quelle, quelle définition, pardonnez-moi, est-ce que vous, vous pourriez donner Quelles sont finalement les tendances que vous anticipez Alors, il y a effectivement de nombreuses définitions. Mais vous avez raison de parler d'industrie du futur et non pas d'usine. En effet, c'est la terminologie qu'a récemment retenue le gouvernement. Le mot « usine » était très certainement trop restrictif. Alors, pour revenir à votre définition sur l'industrie du futur ou industrie 4.0, on a trop souvent tendance à l'associer à la robotisation de l'usine. Mais ce n'est pas, pas que cela, Alors, au contraire. Si ce n'est pas que la robotisation des entreprises, c'est quoi Alors, l'industrie du futur... De manière générale, on parle beaucoup de digitalisation. La mobilité, le cloud, le big data, par exemple, sont utilisés globalement pour améliorer la performance des entreprises. Grâce à l'ensemble de ces technologies, euh, de nouvelles solutions émergent et elles permettent aujourd'hui aux industriels de produire mieux et plus vite. Produire mieux, cela veut notamment dire produire de meilleure qualité Alors en effet, euh, la qualité est un premier objectif, ce n'est pas le seul. Euh, la technologie aide les industriels à améliorer la qualité de leurs services et la fiabilité de leurs processus. Alors, je pense notamment à la maintenance préventive qui rend possible euh, et qui est rendue possible aujourd'hui par l'essor des objets connectés. Vous auriez un exemple pour bien comprendre cette maintenance préventive Alors, un exemple euh, l'ascensoriste Thyssen Group, euh, aujourd'hui, reçoit des alertes sur les pièces défectueuses, permettant d'anticiper euh, les maintenances préventives. Alors aujourd'hui, une pièce défectueuse déclenche une alerte. Cette alerte démontre un problème de qualité et génère sa production, qui peut même être réalisée sur une imprimante 3D. La mobilité est aussi un autre moyen qui permet un contrôle qualité des pièces sur la chaîne de fabrication. Enfin, de manière plus anecdotique, mais qui pourrait être dans un avenir très prochain, certains industriels réfléchissent à l'envoi des pièces par drone pour fiabiliser leur supply chain et donc livrer plus rapidement. Oui, c'est donc une source d'économie parce que l'entreprise gère au plus près ses besoins. Tout à fait. La recherche de gains économiques constitue un deuxième objectif pour les industriels. Avec le développement des outils numériques, apparaissent clairement des solutions qui permettent une utilisation en temps réel des machines en fonction des besoins. C'est donc. Plus de flexibilité, plus de souplesse. Au final, cela se traduit par des gains de productivité, mais aussi, et c'est notre objectif à tous, plus de satisfaction client. Donc si je comprends bien, ces solutions, elles permettent d'automatiser une grande partie des processus, mais il y a une interrogation qui vient avec cette automatisation. Est-ce que cette industrie du futur, elle signifie nécessairement des pertes d'emplois Non, bien au contraire, la digitalisation n'est pas synonyme de destruction d'emplois. Au contraire, cette dimension humaine, l'amélioration des conditions de travail des salariés, constitue un troisième objectif. Aujourd'hui, on voit une véritable appétence pour les nouveaux outils et les nouvelles solutions. Une étude sortie récemment a révélé que 53% des cols bleus souhaiteraient disposer d'une tablette professionnelle, de la même manière qu'ils utilisent ces tablettes au quotidien à la maison. Or, aujourd'hui, on constate que le taux d'équipement en France n'est que de 3%. Oui, donc les salariés sont bien conscients des bénéfices qu'ils peuvent retirer des technologies. Alors tout à fait, cette technologie apporte de nombreux bénéfices. Euh, et ces bénéfices sont tangibles en termes de réactivité, de rapidité d'exécution des tâches et de confort au quotidien. Cela ne fera d'ailleurs qu'augmenter avec l'arrivée des jeunes qui, eux, sont nés connectés. Oui, et puis toujours sur ce confort, la dématérialisation permet de s'épargner ce que l'on appelle vulgairement la paperasse. Alors oui, paperasse, mal français, et là encore c'est un confort pour les salariés. On peut aller plus loin sur les bénéfices écologiques que peut apporter la digitalisation pour les industriels. Les solutions numériques sont source d'économie de papier, mais elles permettent aussi une optimisation de l'utilisation des machines et donc de la consommation énergétique. Pour conclure, Laurent Jorin, vous pensez que la France elle a bel et bien une carte à jouer dans cette ère de l'industrie du futur? Clairement, nous avons une formidable opportunité. Si la France veut se battre contre des pays de production à bas coût, comme certains pays plus lointains, l'Inde ou la Chine, mais d'autres beaucoup plus proches de nous, la Pologne, la Roumanie, pays européens, il nous est nécessaire de travailler sur l'augmentation de la productivité de nos collaborateurs et plus globalement de nos entreprises. Cela va ainsi nous permettre de nous réindustrialiser face à ces pays qui, eux, ne misent que sur le coût de la manœuvre. En France, l'industrie automobile a par exemple été une des premières à s'emparer de ces problématiques et à industrialiser ses usines. Aujourd'hui, on annonce des créations d'emplois partout en France. Et ce n'est pas un hasard. En effet, nous voyons bien ici que le savoir-faire numérique de digitalisation, ce savoir-faire français dont nous pouvons être fiers, peut apporter à nos industries qualité, productivité, une meilleure gestion humaine et écologique. Eh bien, Laurent Gerin, je vous remercie. Merci.